Et à que salut. Et à que salut. Je m'entends au double, on va couper ça tout de suite. Hop là. Voilà, nickel. Du coup, de retour sur Zelda. Je sais plus ce qu'on a fait la dernière fois, je crois qu'on s'était essayé à rentrer sous le château, mais potentiellement pas par la bonne... par le bon moyen. Du coup, ce que je propose, c'est que vu que j'avais marqué un temple par là, d'aller faire un petit coucou à côté de ce temple-là et d'en profiter en fait pour faire le tour, on va dire, de l'île centrale pour essayer de voir s'il n'y a pas une autre entrée en fait. Voilà. C'est le programme actuel, disons. Le programme actuel. Voilà. Touk. Donc ça va être de la banane, ni plus ni moins. Un peu d'explo. Peut-être baisser un peu le son du jeu, j'ai peur qu'il soit trop fort par rapport à moi. Hop. Alors, en restant aux aguets, parce que l'on a partout. Toujours ces trucs de reconstruction. Je crois qu'il y avait une pomme de pin de loin sur cette souche. C'est pareil aussi, nouveau live veut dire nouvelle bouffe. On va pouvoir récupérer tout de suite le... Non, ici. On va se récupérer notre bouffe. Hop. Et... C'est pas mal en plus. Tac. Nos champignons. Et un coffre. Pas mal tout ça, pas mal. Viande divine grillée, c'est bien. Même pas besoin de la cuire, elle est déjà... Ah. Volaille grillée, divine grillée. Très bien. J'en ai une autre apparemment. Comme ça j'ai déjà deux trucs à bouffer, c'est très bien. Issu de la nouvelle tunique de prodige, pardon. Cette toile solide est joliment décorée au motif de la nouvelle tunique de prodige. Elle se prêterait parfaitement à la confection d'une paravoile. Ah oui, le parachute. Enfin, s'il faudra qu'on trouve où est-ce qu'il faut aller. J'imagine qu'il faut aller un tout petit peu plus loin sur la quête principale. Il y en a un autre juste là-bas aussi. Ah, c'est un camp qu'il y a sur un golem. Continue à tirer, hein, ça me fait du stock. En fait, faut pas les détruire tout de suite, ceux-là. On se fait un stock de flèches, tranquille. Moi qui nous donne généreusement. On va super doué. Bon, les copains. Désolé. Mais du coup... Oh, un cheval. Enfin, des chevaux. Le temple là-bas, au loin. Là, il y a une plante au-dessus. Un korogu. Allons voir le korogu. Il y a une entrée de droite là-haut. Temple par là-bas, c'est bien, on va avoir un autre temple sur le chemin.
Ah, coucou mon petit Kiki. Comment va Mister Nailicrix? Ah non, d'accord, ok. J'ai saisi. On monte la première tour, après il va sur la deuxième, et après il va sur la troisième. Tiens, il y a un truc qui bouge là-bas à gauche. Non, attends, je vais faire un truc. Je suis désolé, mais je vais repasser à la manette pro. C'est vrai que sur ces Joy-Con là, j'ai un souci de... un chouchi de joystick. Du coup, pour faire ça... Ah, c'est un autre camp de golem qui bouge. Attends, est-ce qu'il est en train de bouger parce que l'autre ici l'a appelé? Ce serait ouf en vrai. Est-ce que je vais stream du LOL? C'est possible que je finisse par en stream à nouveau. Après, je t'avoue que tout dépendra. J'ai un petit coffre à récupérer juste après. Ouais, non, en fait, je pense que je pourrais pas maintenant. Ou alors, est-ce que il faut que je fasse des plats avec des... Comment dire? Des trucs tempo, là. C'est quoi là-dedans? Des flèches en bois. Bon, c'est toujours bon à prendre, en vrai. Et moi, écoute, ça va bien. Enfin, week-end. Ça va bien. Bonjour madame. Ça va ça? Merci. Non, je pense pas que je sois ton voile. Ah. Satori. Ouais, c'est le truc. Non, c'est pas le. C'est le truc que j'ai buté. Il aime beaucoup les fruits. Donc c'est-à-dire que si je lâche des fruits, il apparaît, c'est ça? On va tester, hein. T'as l'air de rien faire, mon gars. Ah, attends. Ah, attends, y a un truc là. Hop, on range tout dans les poches. Tu fais flipper le dadan. Alors, du coup, y a une carotte dorée en plus juste à côté. Je disais, les touches, c'est ça. Organiser. Hop. Donc, du coup, ça. Ah, c'est un cheval particulier. Ah, c'est lui. D'accord, cool. Unité d'emplacement de grotte. Ou alors c'est toutes les grottes qu'il faut faire pour l'obtenir à la fin. En vrai, on va, comment dire, juste faire le temple qu'il y a juste à côté. Et je pense qu'on va aller voir la première grotte là pour voir ce qu'il en est. Mamadoura peut-être ce cheval. Je crois qu'on récupère des poneys. Je sais qu'il y a une des cartes qui a, comment dire, un des amiibo qui nous donne accès à Epona. Peut-être que j'essaie de la choper.
Le fameux cheval, ça. La fameuse Epona. Alors, petit sanctuaire. Leçon de combat lancée. D'accord. Bien, lançons. J'arrive, j'arrive. Vise bien et lance le matériau. D'accord. On va récupérer tous les fruits de feu. Simple. Vas-y bien. Allons-y, allons-y. On va mettre full life. On va rien consommer, ça c'est très bien. On fait des petites économies. Alors je peux pas monter là. Il y a des escaliers de l'autre côté peut-être. Les échecs. Bon, voilà, il suffirait de la prendre, voilà. Épée de somnium, toujours bon à prendre, arc de golem. Compartiment plein. Ouais, bon, écoute. Je voudrais du full vie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. De bombes, on va en faire récupérer un peu. Melrose, et c'est parti. Ça, c'est toujours la même chose. Oui. 3, nickel, encore un. Ouais, hop, ciao. Ciao, ciao, bye. Ciao, bye, bye. Alors, on a toujours les trucs qui sont indiqués. Ok. Est-ce qu'on peut gentiment chouraver un dada? Alors, attends. Je fais ça. Là, ici. Nos amis les pom-poms. Moi j'aime bien le noir tacheté à gauche. Peut-être pas aller les voir de dos. Elle est jolie.
Ah, nickel. Alors, ce que je propose, que avant de faire quoi que ce soit, bon, il n'est pas super puissant, mais c'est d'aller l'enregistrer. Parce que à tous les coups, ça existe encore. On va aller en direction du camp. Tu vas où, coucou? Allô? Ah. Aller l'enregistrer, comme ça moi on pourra le siffler, ça nous fera un cheval déjà. On nous déplacera plus vite qu'à pied. Après avec les constructions et tout ça, on aura des trucs plus efficaces, j'en suis sûr. Ouais. Pour le moment en tout cas, un dada peut être une bonne chose. Non, je peux pas rentrer par là. On va faire le tour. Par l'autre côté. On va se rendre. Ah, bah, il y a une grotte juste là. C'est la grotte qu'on avait vue l'autre jour. Enfin, celle-là ou pas celle-là. Oh, il y a une marque au-dessus. Non, coucou. Non. Bon, moi, tu me diras, c'est à l'entrée de la bague. Hein. Rester là en plus. Ah, oh. Oh. Oh, nickel, bah vas-y, dépêche-toi. J'aurais parlé à vous. Ils sont partis devant, mais j'ai pas réussi à aller rejoindre Coco pour le moment, donc malheureusement ça va attendre un peu. Hop, attendons. Est-ce qu'il y a des nouvelles quêtes ici? Non. Apparemment non. Hop. Bah du coup on est venu un peu pour rien. C'est pas Pépé là qui nous donne les paravoles des fuckers parce qu'il utilise des trucs volants là. La Pépé. Oui. Ok. Ok, donc en fait, ouais, tous ceux qui sont ici, c'est juste histoire de dire « Bon bah, reviens plus tard !»
Ok les mecs, je me casse. Donc du coup on va aller voir le truc bizarre qu'il y a. C'est quoi ce chariot? Hey coucou. Ambulante. Wow. J'ai donné des pommes. Non. Regarde, moi j'ai donné des pommes et bim. Je voudrais acheter, voyons ce que t'as. Et mode de beurre, de carotte tempo. Crabe de tomate d'Hyrule. D'accord, ok. Et si je veux que tu m'achètes des trucs, voyons voir. Je peux pas faire par genre par prix quoi. Enfin, ils sont j'allais dire ils sont déjà mais non. Ruf Max c'est mort. Qu'est-ce qui prend bien 35 pas mal. En vrai prend tout en soi parce qu'elle est pas cuite. Je peux en avoir tous les jours. Bon fais-toi plaisir. Les minerais, on va les garder pour le moment au cas où. Je paye. En tout. Voilà. Truc de miel. Pour la bouffe après. Elle reprend 12, ok. Ah pas qu'on se fasse des moments craft pour pouvoir revendre le jour où on aura besoin de thunes. Bon voilà, c'était tout. Laisse reprendre ta vie. Et nous on va aller là-bas. Il vient de tomber là. Mais il y avait quoi en haut pour qu'il retombe? Attends. Il y a un truc particulier au-dessus? Non. Vas-y, montons. On va vraiment faire de la grosse balade quoi. C'est vraiment pas mal. Ça ne nous emmenait pas sur une île en particulier. Oh d'accord. Il y a quelques petits renards quand même.
Bon, il n'y a plus rien. Bon, nickel. Ah, très bien. Maintenant, récolte. On soulève les cailloux des fois que... non, c'est pas ça. J'ai plus de armes avec elle. Amalgamon. Non, c'est... Ah, mais attends, il y a des... Je vais prendre un bâton. Compartiment des armes plein, merci. Il va se casser. Alors. Un lézard à des yeux. Ah, cool. Donc ça veut dire les temps de pluie. Ah oui, mais pas les temps de glace. Donc ça se trouve, ça, sur les murs glacés, ça fonctionnera pas. F max. Cool. Pistole de sel. Bon. Ça aurait pu être mieux, mais... On prend. On prend. Alors. Il nous faudra une hache. Toujours pas le bon bouton. Non, non plus. Est-ce que j'ai encore une hache? Non. Ah, ça marque les effets. Énergie sur l'eau, ça c'est quoi que... J'en fasse une petite épée à 10, comment dire. Là, je pense que ça va juste le... On va récupérer rapidement ce qu'il y a en dessous. Là, hop. Un truc à récolter, ça. Allô? Il faudrait un radar item. Là, il y a une truc à casser. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que ça a un rapport avec le dada? Avec le cheval spirituel? Non. Absolument pas. Donc du coup, pourquoi? C'est peut-être juste pour nous signaler des lieux comme celui-là. Toujours pas ce que je veux. Des lieux comme celui-là. Toujours pas non plus. Ex. Corne. Lance oxydée. Toujours pas. Oh là là. Non plus. Je me saoule moi-même, au secours. Voilà. Allô. Alors, le jeu a bugué. Je vais le garder pour casser. Le truc à lance-flamme en rang. Voyons voir la lance oxydée. Combien de dégâts est fait? La taille du bousin, quoi. Sympa. Esthétiquement parlant. Du coup.
Il est dehors pour rentrer dedans. Oui, il attendait dehors. Ou alors c'était peut-être... ça s'est peut-être pas vu avant. C'est peut-être juste pour indiquer comme quoi qu'il y en a un dedans. Est-ce qu'il y a toujours le truc? Non, ça a été clear. Bon bah c'est peut-être des... événements secondaires, on va dire. Du coup, c'est-à-dire qu'il y en a un là-dedans. Alors... Et Mister, putain, je suis sur ce truc. C'est bien qu'il y ait quand même un système de... Oula. Mais tu es buggé. Je sais plus ce que lui m'avait dit, ça se trouve il nous donne peut-être des indications sur où sont les zéros. Je pense qu'on va continuer le tour. Ah, une rouge. On va me dire qu'avec tout ce qui est gyroscopique et tout, ils auraient pu faire en sorte qu'on conduise les chevaux et tout ça à l'aide du gyroscope. Et genre qu'on puisse le faire accélérer comme si on tenait les rênes. Parce que c'est grave qu'il l'ait pas fait, absolument pas. On va l'avoir passé devant le camp qui va être sur notre gauche. Bonjour, au revoir messieurs. Côté de l'autre grotte. Mon pauvre. Quoi ça? Un roquette? Est-ce que je peux te coller au cheval? Je peux pas. Ah, y a un gros là-dedans.
Bonjour monsieur cheval, si je te reçois. Ouais, il est pas enregistré donc. Okay. Bon, tant pis. Alors. Pas saoulé. Yes. Me touche. Cramer ma flèche. Épée de rubis. Non. Je n'aime pas les touches de ce jeu. Prenez-le pour acquis. Je vais aller chercher ma... Ouais non, je vais mourir alors. Tant pis. Et ouais, les touches de ce jeu sont contre moi. Ah, on a un lapin. Ah donc c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être juste une indication pour nous dire qu'il y en a dans chacune de ces grottes là. C'est quoi ça, Gilles? Des trucs sonos ça. Et je ne m'abuse. Un.
de Mao. Ah non, c'est des Gemnox, d'accord. Ah, la confection d'habits spéciaux. Il y en a partout à l'intérieur. Ah, si c'est des trucs qui réapparaissent, dans tous les cas, faudra y retourner. On va se mettre une indication sur la map au cas où. Hop. 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 C'est grand de fou. Non, c'est pas ça. Hop. Non, toujours pas. Voilà. Récupère le minerai. Genre une grosse vilaine bébête en plein milieu ou un truc comme ça. Et lui au bout là-bas. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et en plus il one shot. Alors juste. Demander quelques secondes. Hop. Dans le map. OB. Voilà. Du coup, hop. Le plein écran. Recommencer. Donc il me one shot. Faut voir où est son cœur. Ça marche pas.
Ouais, ce que je peux faire aussi, c'est... Ouais, on va le faire simple, on va éviter de faire des gros dégâts comme ça. Ce qu'on va juste faire, c'est juste le faire tomber, monter dessus et l'enchaîner. Alors... Déjà... Ouais, non. J'étais en train de me déplacer, monsieur l'arbitre. On va y arriver, on va y arriver. Alors, mon petit Lito. Pas de, familiarité entre nous, j'ai bien compris. Allez. Achevons-le. Nox, on va le faire.
Ça, c'est un cœur de Little Rock. Ça va nous faire un nouveau bouclier. Non, toujours pas. J'ai un cœur dans le dôme. Bon, une bonne chose de faite. Récupérer tout le fatrail avant tout. Est-ce que ça, si je mets une bombe dessus, donne quelque chose? Carrément. Bon bah, on peut tout péter. Une petite bombe. Ça nous a ouvert un passage. Ouais, il y a un truc derrière. Et tout là. Un gilet barbare. Cool ça. On va changer de garde-robe. Ça augmente le combat. Stylé. Il est stylé tout ça. J'aime Nox. Comment dire, vous me connaissez, vous savez très bien qu'on va faire toutes les tenues en entier. On restera en ninja la plupart du temps. Il se tout ça, voilà. Mais on va quand même toutes les. Ombre. Alors. Bah, je vais exploser juste après ça, pas de problème, j'ai pas mal de vivre, t'inquiète pas. Nox à gogo. Au milieu. Le mec il mine à l'arc quand même. On est vraiment à ce niveau là. Du coup, faut penser à péter ce qu'il y a dehors. La montée, elle est là-haut. J'ai l'impression qu'il fait une toute petite lumière, le... Comment dire, il éclaire un tout petit peu le bouclier, donc c'est cool. Salut Brockwears. Excuse-moi si je le prononce mal. Brockwears, pas Brockwears, pardon. Bienvenue à Toué. Alors. C'est des flèches que j'ai plus beaucoup.
Ah oui, effectivement. Bah, va falloir se retrouver un petit camp. Va falloir use les bugs, comme on dit. Oui, ah. Il s'éclaire que la nuit. Et quand on est dans le sombre. D'accord, ok. Alors. Un coup de chaque côté. Ok, est-ce que ça vraiment le faire là? Pas vraiment. Ah d'accord, bah tant mieux, si je le prononce bien. Bienvenue, d'où nous arrives-tu? D'où est-ce que tu viens? Tu te baladais sur Twitch comme ça et t'es tombé sur moi ou par un réseau social particulier? Redirection du temple là-haut, j'ai plus l'impression que les... Ah, ça reste peut-être momentanément en fait. Les indications de Satori. Non, pour le moment, j'ai pas assez d'endurance, donc on va pas traverser le fleuve comme ça. Ah. Oui, c'est ça, je sais bien ce qu'il me semblait que ça faisait un... Il y avait un truc d'air avec les deux couches. D'accord, d'accord. Bah du coup, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, bienvenue à toi. Au cas où, je mets pas de cam. Enfin, en temps normal, je mets des cams. Mais je mets pas de cam parce que je sais pas pourquoi, mais... je me dis que ça prend de la place sur l'écran, surtout pour Zelda. En tant que viewer, tu vois, je me dirais que c'est dommage de... De mettre une sale gueule entre guillemets sur le jeu. Je sais qu'il y en a qui le font, il y a des streamers qui le font. Je sais que j'ai un fond vert aussi qu'il faudrait juste que je mette en place et c'est aussi par flemme que je l'ai pas encore fait. Voilà. Mais pour le moment, je remets pas de cap. Voilà. C'est tout. C'est la petite indication comme ça. Alors. Là, ça se remonte pas. Alors, on va pouvoir traverser. Donc j'ai commencé le jeu il n'y a pas excessivement longtemps, au cas où si jamais tu veux des infos, voilà. Je me suis dit que j'allais le faire intégralement en stream, non pas pour ameuter du monde, parce que beaucoup trop de streamers moins occasionnels que moi, parce que ça faisait un bout de temps que j'avais pas stream, stream dessus, et le gros streamer stream dessus aussi. Non, c'est surtout pour voir si j'avais envie de reprendre le stream ou pas. Justement. Et aussi pour avoir un jeu intégralement filmé, du coup je balance tout ça sur une vieille chaîne YouTube en privé, comme ça je me fais une playlist, et comme ça si jamais je veux faire des futurs TikTok ou autres, de moments marrants ou des trucs comme ça, bah j'aurai de quoi faire quoi, j'aurai un stockage, voilà. Mais ça fait quand même plaisir de voir des gens qui passent, comme ça, surtout pour blablater et tout, pour commenter, pour donner des idées ou autre. Bien entendu pas de spoil, c'est logique. Du coup, faut que je t'emmène de l'autre côté. Non, c'était pas celui-là que je voulais, pas celui-là non plus. Bien entendu, on est. Eh, à pas grand chose. Hein. À pas grand chose. Non, mais c'est pas grave, on va faire le tour. Et qu'on peut pas le mettre sur les facochères non plus. Calme-toi, Mister Facochère.
Donc ouais, je pense qu'il faut ne serait-ce qu'avancer un minimum la quête principale pour débloquer les trucs par rapport aux chevaux, par rapport à tout ça, la paravoile et tout. Bon, c'est lent. Et comme ça, c'est lent. Mais au moins... Et du coup, pourquoi tu regardes BOTK? C'est un... T'as comment dire, t'aimes bien la licence Zelda? C'est parce que c'est un jeu qui est en ce moment et que du coup tu t'y intéresses? C'est parce que, je sais pas, t'as pas de Switch mais tu voudrais bien jouer au jeu donc du coup tu regardes des gens y jouer? C'est quoi qui t'amène à justement regarder tes streams? Une bonne portée. Hein. C'est vrai que j'en parlais avec d'autres aussi, entre autres mon frère qui a le jeu. Et on se disait que les... C'est dommage, il y a des choses qui sont dommages pour les pouvoirs et tout, c'est que à une époque on était obligé de revenir sur d'anciennes zones pour aller plus loin parce que justement il nous manquait des choses. Et même les pouvoirs, ils auraient peut-être dû en faire quelque chose d'évolutif. Enfin, là où il en était lui, ça bougeait pas et tout et il se disait que c'était un peu dommage. Au goût, hop, ça c'est ça. Salut mon petit. Du coup, je disais, j'avais vu un temple en visu. Je crois qu'il n'y est plus. Là-bas, il y avait un gros. C'est pas un homme gobelin. Je sais plus comment selon les évolutions, comment ils sont nommés. Là-bas, il y a une tanière. Que ça a à voir avec lui. Là, il y a une tente. Avec des gens ici. Ah. Ah. Oh. Bonjour. Oui, j'aime bien espionner les gens. Ah. Ouais. Tu ne m'entends plus? Pourtant le son est là, je réactive le son sur mon stream juste pour voir si ça vient de toi ou pas. Non, moi je m'entends toujours de mon côté. Pourtant le son est là, je réactive le son sur mon stream juste pour voir. Non, non, je m'entends. Donc Oh, je vais écrire. Essaye peut-être de redémarrer. Ha! Ah? C'est dommage qu'on ait pas... Parce que là on a... Comment dire? On n'a pas de... Comment dire? On a une baguette de feu. Est-ce que c'est un marais dans lequel on peut mettre les pieds ou est-ce que genre ça nous fait tomber directement dedans? C'est un truc dans lequel je peux nager? Ouais, non. D'accord, ok. Ok. Est-ce que, comment dire? Si j'avais une baguette... Ok, nickel. Si j'avais une baguette de gel, je pense qu'il y a moyen de faire des plaques par-dessus. On va manger un truc. Ah. Ah. Tac. Du coup, ouais, je te posais une question, Brocky. Je disais, est-ce que, comment dire, tu regardes ce genre de stream parce que t'aimes beaucoup la licence, parce que, je sais pas, parce que, comment dire,
parce que tu voulais le jeu, mais par exemple t'as pas la console, donc du coup tu regardes histoire de pouvoir quand même profiter du jeu indirectement. Juste une passerelle pour savoir si ça tient. Demander vers le bas. C'est quand même une bonne mécanique de jeu. Et du coup, dans l'idée, il faudrait que je fasse pareil. Enfin, après, je peux faire le tour pour aller voir la grotte là-haut. Est-ce que je le ramène? Est-ce que je le vide avant? Non, 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 non. Heureusement qu'on peut le récupérer. Trésor de lambda. C'est des trésors lambda, c'est ça? Ça doit pas être, du coup, ça doit pas être fou ce qu'il y a dedans, quoi. Ah, cool. Ok, cool. C'est bien ça. Ils ont rajouté un petit peu de lore et tout, c'est cool. Donc c'est un morceau de fringue. Potentiellement. Oh, des bombes. Dommage. J'aime beaucoup le jeu, j'aime bien les lives, donc j'ai regardé les lives des gens pas trop connus. Je trouve ça moins intéressant que les lives de gros streamers. En vrai, je peux comprendre. Surtout, comment dire, bah, par rapport à la proximité, quoi. Quand t'as 4000 personnes qui sont en train de parler en même temps sur le chat et tout, tu peux pas vraiment échanger. Moi, je sais qu'à l'époque où je streamais, bon, j'ai jamais été gros streamer. Je crois que les gros pics que j'ai fait, c'était il y a plusieurs années. On devait être une trentaine, je crois. C'était un moment, une période où je pouvais stream plus souvent. Ça va encore, c'est gérable, tu vois. Mais, comment dire... Sinon j'ai toujours été sur des streams où en règle générale c'est entre 5 et 10 personnes dont la moitié parle, quoi, tu vois. Genre j'ai pas envie d'avoir trop de monde, c'est bien de rencontrer les gens, de pouvoir discuter avec eux et tout, quoi. Après effectivement, bah ouais, si ça grandit, si tu peux en faire comment dire, en faire ton taf et tout, bah tant mieux pour toi en soi, mais c'est pas pour ça que j'ai commencé, quoi. Juste rencontrer des gens, discuter, partager des trucs sympas, ou alors faire des streams avec des potes quand j'avais le temps, et voilà, quoi. Et le ciel en parle. T'as aussi le jeu avec une quarantaine d'heures, d'accord. Mais moi j'avoue que j'ai tout fait en stream, donc là je dois même pas avoir une dizaine d'heures, je crois, un truc comme ça. Donc j'avance vraiment doucement. Assez au hasard. Juste là, voilà, il fallait aller, tu sais, au début quand t'arrives dans le premier camp et tout, ils disent de retrouver la... Merci pour ton follow, du coup. Ils disent de rejoindre l'équipe qui a... tout seul du château.
Vas-y. Vas-y, dis-moi. Cool. Le truc pour escalader, ça peut être cool, on peut se mettre en chasse. On va aller voir la grotte qui est derrière, on peut se mettre en chasse de ça aussi. Donc du coup, je disais d'aller au sous-sol, et en fait, le sol qui est, que j'ai... Enfin, l'accès que j'ai trouvé le plus rapidement à côté du pont qui mène au château, nous donne... Nous fait comment dire, nous approcher d'un groupe de gobelins, mais qui sont trop forts. Qui sont noirs. C'est pas les blancs non plus. Vas-y, donne-moi toutes les infos, madame. Renforcer les vêtements... donc du coup j'ai essayé plusieurs fois, différentes tentatives pour essayer de le péter et tout. Donc voilà, on va dire aussi que, tu vois, il y a des moments où il y a... C'est pas du speedrun, c'est pas du... comment dirais-je ? Du tryhard non plus. C'est plus du chill et on réessaye, on tente des trucs et tout. Donc j'ai quelques heures de jeu dessus, mais j'ai pas forcément avancé énormément, quoi. Du coup, c'est cool ça pour la carte. Aller voir après. Bon, après elle est loin, mais au moins ça continue le tour, quoi. On continue de faire notre tour pour essayer de voir une autre entrée. Bon, ça, on pourra aller voir ça. Un vêtement d'escalade rapide en plus, ça peut être une très bonne chose. Donc on va voir ça. Mais déjà, allons voir là-haut. Allons péter l'autre à côté aussi. C'est toujours pas ça. Toujours pas ça non plus, pas ça non plus. Hop 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 hop. Attends, c'est juste une épée de rubis. Donc si c'est une épée de rubis, est-ce que ça veut dire que du coup... Si je mets bêtement genre... J'ai qu'un rubis. Une opale, ça aura peut-être des trucs électriques. Faudra que je fasse ce test. De Maublin, ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle. Je me souviens plus. Ok, il y a des choses en particulier ici. Un loup. Bonjour, monsieur le loup. Ça, c'est dommage qu'on puisse pas les avoir comme bêtes. Enfin, comme bêtes, comme monture, je veux dire. Pu être sympa. Oui, j'ai joué à Breath of the Wild. Ouais. En fait, mon frère s'est acheté la console avec Breath of the Wild. Mon petit frère s'est acheté la console et tout le jour de la sortie. J'ai testé vite fait, tu vois. Je disais, bon, j'aime quand même beaucoup les Zelda et tout. La licence me plaît énormément. Et je me dis, oh, je vais peut-être pas acheter la console et tout. Au final, le lendemain, j'ai acheté la console et le jeu. Par contre, je l'ai pas fini. J'ai pas fini l'histoire. J'ai pas fini à 100% non plus. Parce que j'ai changé de PC entre temps et tout, donc du coup j'étais beaucoup plus sur... Ah, la colline de Raoru. Ah. Parce que j'ai changé de PC en même temps, donc du coup je t'avoue que j'étais beaucoup plus sur le PC que sur la Switch. Là c'est pareil, la Switch, en vrai ça faisait facilement un an et demi que j'avais pas joué. Je savais que Zelda allait sortir et tout, donc je l'avais remis à mon PC, préparé ma carte d'acquisition vidéo. Enfin, tout ce qu'il faut, on va dire, pour... pouvoir jouer, quoi, tout simplement. Et comment dire, et au final me revoilà sur la Switch. Thank you.
coup, ouais. C'est pour dire, j'ai joué avec. Enfin, Breath of the Wild. Hop, 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 hop. Exactement ce que je voulais faire, mais bon. Ah, des flèches. Je saurais pas dire combien de temps de jeu j'ai sur le Breath of the Wild. Faudrait que je le relance. Oh les gars, j'ai ce bouclier là. Alors. On a de l'or. Ah non, une topaz brute. Électricité. Ok. Et du coup là, en termes de stream, j'essaye de stream, ça dépend de mon emploi du temps avec le taf et tout ça, mais de stream au moins une fois ou deux par semaine si possible. En gros. D'accord, ok. Bah, j'ai pas acheté le DLC, par contre, tu vois. Je veux dire à quel point j'ai pas nécessairement poncé le jeu. On va aller récupérer les planches. Passer à l'intérieur. Et sinon, tu joues à quoi d'autre que Zelda? Quels sont tes jeux favoris? C'est loin, pas assez proche. Pas assez loin. Non. Ancien hameau de Rao. C'est marrant qu'il ait son nom de. Dans un bled. Coffre qu'il y a là. On va récupérer ça tout de suite. C'est dommage en vrai que le coffre, tu vois, tu puisses pas le. Enfin, j'allais dire un truc bête, hein, mais le mettre sur un bouclier et que genre. Ça te fasse un tout petit peu d'inventaire de plus, quoi. Ils auraient pu penser à ça. Ouais, c'est très probablement amené différemment aussi, quoi. Ça va être clairement trop grand. Le loup, j'ai pas le temps pour toi.
Alors. D'accord. Platoon, Minecraft et Trackmania en ce moment, d'accord. De trop gobelin, trop globin, globelin, oh la vache, trop globin. Là, son grand-mère pour servir en cuisine, mais remède efficace si on les cuit avec un petit animal. Ok, nickel. Trop globin. Ok, ok. Je me fasse un surstock de... flèches en vrai. J'en utilise beaucoup trop. Là, je suis plus... je joue plus à l'arc qu'autre chose aussi. Là, ça va être que bombe. Ah non. Quand même le péter comme toujours pas ça. Quand même le péter comme ça. Comme là j'aurais pas de quoi. Juste ça, mais en vrai c'est toujours ça. C'est pas ça que je veux. Hop. Alors, je me chante. Y a quoi là-dedans? D'accord. Pourquoi pas? J'aurais des faits. Le caillou. Alors je le fais à la bombe, mais c'est dommage de gâcher des bombes pour ça. Yeah.
Après les armes, j'ai l'impression que les armes se cassent plus vite que dans le premier. Ouais, c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que j'ai. Alors, la fière. Voilà, c'est la fière pour la glace. Okay, d'accord. Donc on pourra se faire une baguette de glace. Donc c'est pour ça, on va garder les bijoux au cas où si jamais on a besoin. J'ai pris l'habitude de jouer en expert, donc je trouve pas tant que ça. D'accord, d'accord. Alors. Allons continuer notre tour. Alors. On entend plus qu'à là-haut. On se rapproche un peu. Après, on va continuer à faire le tour. Comme ça, en faisant le tour, on arrivera au truc avec la tenue. En espérant qu'on puisse le faire aussi. On est le niveau requis. Sinon, on va tryharder un peu. Le pont d'Elmed. Salut, Crackers. Comment tu vas? Depuis le temps, depuis longtemps. Alors, de ce papa, bah c'est bien, il y a Crackers qui arrive. On a le sanctuaire de ce papa, le grand sanctuaire de Crackers. Ça va, écoute. Comme tu vois, on reprend le stream de temps en temps en ninja. En ninja, non, en vrai je l'annonce sur mon Insta photo, donc pas tant en ninja que ça, mais enfin, on reprend le stream. On reprend pas le stream comme je disais à Buruki tout à l'heure, c'est plus du j'en profite de la sortie de Zelda pour essayer de voir si j'ai re-envie de stream. Et comment dire. Et comment dire, comme ça aussi ça me permet de... Oh, c'est pas ça qu'il faut. Est-ce que je peux traverser ce petit rebord là-haut? Non. Et du coup... Je disais... Voilà, du coup de tester... si je le reprends, et au moins comme ça sur ma vieille chaîne YouTube, ça me permet de remettre... Comment dire, de remettre tous les morceaux de live, tu vois.
Ça, ça me permet d'avoir l'intégralité du jeu qui a été stream. Donc ça reste cool. Sinon tu deviens quoi? Après en vrai je fais ça mais en soi j'ai juste à faire mon... Pourquoi tu veux pas escalader quoi? Juste à faire ça, paf, on va faire un petit... On fera quand même ça pour le retour. Histoire de dire qu'on va pas te bêcher partout non plus. Ah nickel. Avec le golem, ça, ça fait plaisir. Déjà 6 ans, la vache. Bon, au moins, c'est dire que tu fais un peu mieux tes nuits, quoi. Ça va, elle a bon caractère. Bon, écoute, bah, fini les études. Pour le moment, je n'officie pas dans mes études, malheureusement. Parce que je suis plus en région parisienne, je suis rentré au Bercail. Région parisienne, voilà quoi. Et oh non, l'arrêtant, j'ai coupé mon truc. Mince. Tu veux y arriver à ce que tu veux dire, Et ouais, dans, comment dire, en province et tout, tu trouves beaucoup moins dans le domaine. Donc, pour le moment, je suis bêtement, enfin bêtement, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas tout ça quoi. Je suis en formation dans un magasin et j'attends de trouver des trucs qui soient plus intéressants. Voilà, voilà, en gros. Sinon, mariage en fin d'année, c'est ça quoi, quand même un changement important par rapport à la dernière fois. Mariage en fin d'année, c'est aussi pour ça que j'ai pris le, comment dire, pris le premier taf qui me venait, mais qu'il fallait absolument un taf aussi quoi, parce que ça demande des sous. Ça va ouvrir la porte du haut. J'aurais pas la portée pour utiliser l'autre, par contre j'aurais la portée pour le faire revenir en arrière. Potentiellement. Ah, tu penses qu'elle manque justement de caractère? Elle est trop effacée? C'est rare en vrai des gosses qui ont un caractère effacé. Ou alors des fois ça peut être malheureusement significatif d'autres soucis, on va dire. Ah yes, je peux l'avoir dit ça. Hop. Alors, rien de bien compliqué dans ce sanctuaire. Ça. Et bien comme ça quand on aura fait une boucle je pourrais avoir un cœur de plus. En allant au camp. Ouais, tu me diras c'est un sanctuaire, je peux me TP aussi. Que je me TP pour me re-TP là. En vrai on pourrait. C'est vrai qu'il y a certains jeux sur lesquels je veux pas me TP parce que je trouve que c'est pas très RP et tout, mais bon.
Vas-y. Désintégration. Ouais, c'est ça. On va dire que si elle a pas trop de caractère, faudrait pas... Enfin, après, ça dépend, tu vois. Genre, elle peut ne pas avoir de caractère et être effacée et tout gentil, mais elle peut ne pas avoir le côté victime, tu vois. Si elle a pas le côté victime, en vrai, c'est cool, parce qu'elle va pas attirer des gens qui vont trop la brusquer, se moquer d'elle ou autre, tu vois. Après, à voir. À voir les difficultés qu'elle peut rencontrer, et du coup, avoir les solutions aussi à y appliquer, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas forcément quelque chose de simple du tout. Imagine bien. Dans les tentes, il y a des trucs. Couvercle de marmite. Cure, petit renard, cure. Princesse de la sérénité. Dès que la princesse d'Hyrule chérissait s'est traduit cette fleur en voie d'extinction et qui semble à nouveau s'épanouir dans la nature depuis quelques années. On dirait des Edelweiss. Elles sont un petit peu trop bleues pour être des Edelweiss, mais elles ressemblent un peu. Il y a été au-dessus là, je crois pas. Il y a un robot en plus. Je crois pas y être passé. J'avais pas vu qu'il y avait un robot. Bonjour. Danger. Ah, cool. Ah oui, non, c'est vrai qu'il en faut ça. D'accord, ok, donc toi, il faudra que je vienne te voir. Et je l'avais pas parce que je l'avais pas sur la carte. Alors, allons chercher la statue. Pour avoir un cœur supplémentaire, s'il vous plaît. Donc, il y en a une dans le sous-sol. Pas de bêtises. Oui, elle est là. Ah, on peut choisir les deux. Un cœur de plus ou plus d'endurance? Moi, ouais, je demanderais bien de l'endurance. Toujours être intéressant. Ne serait-ce que pour la, comment dire, la nage et tout ça. Vas-y. Ça a pas augmenté beaucoup. Ouais, 1, 2, 3, il en faut 5. Comme ça je vais faire un cœur, un truc d'endurance, un cœur, un truc d'endurance, un cœur, un truc d'endurance. Et là du coup, plutôt que de m'embêter à repasser au travers, on va aller directement au Delmed. Hop. Et on continue à faire le tour. Ah, du coup, pour aller sous le château, au niveau du pont d'Elmed, au niveau du sanctuaire où on était, il y avait une espèce de passage avec de l'eau. Donc c'est peut-être plus simple. Les étoiles filantes, ouais. Bien. Le dragon aussi qui est dans les îles célestes, quand tu lui tirais dessus, il faisait tomber des écailles. Donc là, il y a un passage avec l'eau. Finir par trouver. Ils étaient partis en exploration, donc il y a forcément un chemin d'accès. Et je pense pas, vraiment pas que ça soit celui que j'ai utilisé au tout début. Ça m'étonnerait fortement. Ok, d'accord. Bah bon appétit à toi, mon petit, et à une prochaine. Bah bonne fin de week-end à toi.
Sans trop de spoil, mon cher Brookie, est-ce que tu as des conseils pour pouvoir farm des flèches de façon efficace? Non, c'est pas ça. Merci. Hop. Ah, t'en as trois, toi. Un peu mieux que celui de tout à l'heure déjà. Avec des arcs. Ha! Et toutes les caisses. D'accord, ça marche. Moi, c'est vrai que tu vois, j'aurais tendance à les laisser tirer et à récupérer les flèches qui tombent. Donc, tu veux pas t'approcher du château, c'est ça? C'est parce que t'as pas de sel et du coup t'obéis pas bien. Désolé. Un double arc-en-ciel. Pas mal ça. Ça marche aussi, mais c'est généralement moins rentable. D'accord, ok, bah c'est bon à savoir. Ils ont pas l'air d'avoir d'arc. Les doubles arc-en-ciel, ça a une signification particulière au cas où, parce que des fois que c'était cool et que je m'en éloigne bêtement. C'est quoi ce fruit là? Des gourdes. Des fruits d'eau. Propriétés lubrifiantes qui nous font nager plus vite. Il y a une partie château. On est où sur la carte? On est au-dessus. Ok. Aucune idée, d'accord. Là aussi, un petit passage à l'intérieur. Faut avoir de quoi traverser. Oh, un géant.
On se fait le gros. Et combien de flèches? 5. Ça va être chiant. J'ai encore beaucoup de bombes ou quoi? Une seule. Brûler en soi. Oh, j'arrive pas à viser en plus. C'est pas ça que je veux faire, c'est toujours pas ça que je veux faire. Je lui lance tout et n'importe quoi dans les yeux.
Mais non. Il esquive. Oh, il tape les burnes. Hop. Une dernière. Des fruits, du sucre, des épices et des tas de bonnes choses. En dedans. Remède ou flèche. Banane lame, c'est pour les dégâts. Andinox. Attacher cette corne fichée dans une bûche. À pointe, à une arme pour lancer son dégât d'attaque. Faut de la cuire avec un petit animal pour avoir un remède. D'accord. Plus 12 quand même. Ongle, 7. Épée de voyageur. Arc de voyageur. Espadon de voyageur. Peut-être plus d'épée. Même si elle est pas super forte. Est-ce que j'ai de la place encore? Ouais. Là, ça, c'est très. Le cheval, il a dû s'en aller. Ouais, il est là-bas, il m'attend. Pas très bien. Bon petit. Bon petit, bon petit. Laboratoire royal. D'accord. Ah, ils font un tour de garde. Ah, il y a un... pas vu, vous êtes tellement petite. Oh. Impa, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Impa. Quoi, elle nous a parlé. Oh. J'ai pas regardé. L'autre là-bas, il bouge pas, c'est. Que de m'engueuler, tu me laisses faire. Non, c'est pas ça.
parler au marchand ambulant là-haut. Un truc nouveau. Hey mister. Terry. Vas-y, on va voir ce que t'as à offrir. Ah, nique. Bonne vigueur. Ça, ça! Vas-y, on va lui prendre un peu de flèche, mais pas trop non plus. Je pense pas avoir grand chose à voir. Là-haut. J'aime bien, c'est qu'elle lui demande de l'allumer. Alors qu'on sait tous pertinemment que. Comment dire. Il va mettre le feu à l'intégralité de la montgolfière. Alors. Des larmes du dragon. Mmh. D'accord. Il y a une larme qui est pas loin d'ici. Dans le temple qu'il y a juste à côté. Mmh. Ah oui, saute en paravoile, ouais, totalement. Je veux dire le truc que j'ai pas encore, du coup. On a un autre là-bas. Impa, c'est pas que je t'aime pas, mais je suis vraiment obligé de sauter. J'avais la fée. Je suis descendu super vite. J'ai limite à jaloux. Faut vraiment que je récupère le paravol au plus vite. Même si j'ai aucune idée d'où est-ce qu'il faut aller. Il y en a quoi, quoi. Alors. Allons voir. Allons visite. Me laisse pas le temps de lire, c'est pas grave. Question de flottaison. On va le faire là-bas. Dans le haut du montgolfier.
Y'a rien. D'accord. Donc. On a différentes cloches. On prend le feu. Donc comment on les met? Pas pour le faire. Enfin techniquement je peux absolument pas faire ça. Ah si? Ah bah si en fait. Rien dit. On sait pas que je pourrais les coller. La petite, ça va être facile à monter. Ah mais c'est parce qu'il y a les... D'accord, okay. C'est pour ça qu'il y a les lance-flammes à côté en fait. Alors.
mettre la boucle. Pousse. Le déplacer. Mais donc du coup non. Ceci. Par descendre. On redescend. Et du coup... En vrai, je pense qu'on va faire ce comment dire. Huck!
passe là. Pas les bons boutons. On va y arriver. En soi, ça décolle tout doux. Et voilà. Opal. Toujours ça de bon prix. Hein. De prix de bon. Alors. Récupération et du coup on va s'arrêter là-dessus. Il est pas impossible que je rejoue au cas où, Broki, si jamais tu veux repasser. Déjà, n'hésite pas à faire un tour sur Insta, mon Insta, si jamais t'as Insta. Si je dis pas de bêtises, j'ai dû changer les Insta. Si tu fais la commande point d'exclamation RS ou point d'exclamation Insta dans le chat, comme ça je partagerai le moment où je recommence à stream. Soit il va falloir que j'aille manger un bout et après que je bouge rapidement, mais je pense que dans l'après-midi... Après-midi, fin d'après-midi, je rejouerai un peu. Et comme ça, on pourra s'attaquer. Du coup, parce que là, on s'approchait pas mal de la croix pour la tenue d'escalade. Qui est pas si loin que ça. Donc, je pense qu'on va commencer par ça tout à l'heure. On commencera par ça. On finira après le tour pour voir le comment dire. L'entrée. En passant par ça aussi. On va en parler à tout le monde.
faisant peut-être un tout petit peu de bouffe au passage. C'est vrai qu'on en a consommé un petit peu tout à l'heure, donc ce sera peut-être pas une mauvaise chose. C'est quoi, c'est un camp de gobelins? Ouais. Donc, on va faire ce qu'on va remonter sur lui. Hop. Faire une petite sauvegarde. Petite sauvegarde. Y'a pas de soucis. Et donc, du coup, non, c'est pas Insta. Voyons voir si je fais point d'exclamation RS. Ouais, voilà. J'ai supprimé tout ce que j'avais avant. J'avais toujours le lien Discord. Bon, après, il y a toujours le lien Discord à la rigueur. Si jamais t'as Discord, on sait jamais. Mais je vais plus du tout sur mon Discord. Je suis plus sur du squattage d'autres Discord. Mais au moins, bon, il y a toujours mon pseudo. Voilà, au cas où. Sinon, quoi dire? Quoi dire, pas grand chose en soi. Et ouais, je sais pas trop vers quelle heure. Il va être 14h. Peut-être aux alentours, on va dire entre 17h et 18h, quelque chose comme ça. Ou je reviendrai. Et du coup, tu seras le bienvenu. N'hésite pas, voilà. À repasser, à discutailler. Et du coup, potentiellement à tout à l'heure. Voilà, ciao.